En Éthiopie, des millions de chrétiens orthodoxes célèbrent la fête de Meskel, ou croix en amharique, la langue nationale. Il s'agit de la célébration de la découverte de la vraie croix où Jésus-Christ aurait été crucifié. Le festival Meskel est aussi important pour les chrétiens éthiopiens que pour les touristes. Par exemple, j'ai 18 touristes qui utilisent de nombreux services depuis Ethiopian Airlines, aux hôtels, en passant par la location de voitures, les guides touristiques et les destinations. C'est donc un événement qui profite à l'économie et à tous les Éthiopiens. Il contribue également à donner au pays une bonne image. Je pense que nous devons faire davantage en vue de promouvoir et d'accroître les revenus générés par Meskel. De par sa tradition chrétienne orthodoxe, le festival de Meskel constitue pour de nombreux pèlerins un lieu de rencontre, une procession qui attire également de nombreux touristes curieux de découvrir les rites et coutumes de la civilisation éthiopienne. Afin de trouver la croix qui avait été enterrée depuis longtemps, la mère de Constantin, la reine Hélène, a effectué un voyage de Rome à Jérusalem et a fait un feu de joie. La fumée du feu a illuminé le ciel, indiquant où la croix était cachée. Alors la reine a commencé à creuser à cet endroit et c'est cet acte que nous commémorons en septembre. Le festival annuel Meskel réunit des centaines de choristes qui se rassemblent dans les rues d'Addis Abeba, la capitale. Comme chaque année, c'est en septembre qu'ils se retrouvent pour célébrer la découverte de la Sainte Croix, qui pour les Éthiopiens orthodoxes est symbole d'illumination et d'espoir.